Salut à tous, c'est Wengames. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il n'y aura pas de gaming. Tout simplement parce que, apparemment, YouTube va être supprimé. Moi je suis pas d'accord, comme la plupart, je pense que tout le monde n'est pas d'accord de toutes les façons, parce que YouTube pour moi c'est un réseau franchement qui est vraiment beaucoup utilisé. Donc vous imaginez si YouTube supprime toutes les chaînes YouTube qui ont des millions de vues et d'abonnés, c'est chaud patate moi je trouve. Donc YouTube, arrêtez ce bordel quoi. En gros, moi ce que j'ai compris c'est que genre là je vais retirer une marque comme ça par exemple. Ou sinon ma montre là, vous allez voir que c'est écrit Geneva ici à ce niveau là. Alors par rapport à tout ça, on va vous supprimer, vous bloquer votre vidéo en gros. Vous allez mettre des... Je savais déjà pour les droits d'auteur, c'est-à-dire lorsque tu mets une musique dans ta vidéo, la personne chante et tout. Il me semble pour les instrumentales aussi, si je me trompe ou pas. Donc franchement je trouve pas ça très cool, c'est pas sympa, c'est vraiment n'importe quoi. YouTube va très mal. Comment on va pouvoir filmer nos vidéos gaming? Ça sera vraiment chaud patate. Vraiment chaud. J'ai pas... Bon, pour ma part, ça me dérange énormément parce que, voilà, ma chaîne YouTube, je viens de commencer sur cette chaîne YouTube. Je viens en gros, je ne pourrais plus citer le nom de jeu quoi. Donc je suis obligé de mettre le nom dans la description, tu vois. Donc en gros je pourrais plus porter cette marque par exemple. En gros je pourrais plus porter ça, genre là je suis obligé d'enlever comme ça, genre le t-shirt je pense que je serais obligé d'enlever parce que plus longtemps c'est une marque, le t-shirt je serais obligé d'enlever. Ma montre aussi, donc on est obligé de filtrer nos vidéos. Mais voilà, il se passe quoi là sur YouTube énormément là. Donc on doit se bouger, on doit énormément dire qu'on n'est pas d'accord de tout ça et trouver une raison valable pour que YouTube ne supprime pas YouTube. En gros, c'est comme si je vous dis que voilà, j'enlève mon post smiley et pour ça seulement ma vidéo sera bloquée. En gros, genre bon pour ça je sais pas, c'est une couplet, voilà. Donc c'est comme si je vous dis que ma sacoche Paris, ben c'est comme si c'est de la publicité que je suis en train de faire. Donc je pouvais plus non mais c'est quoi là, non mais franchement YouTube va très mal moi je trouve. Voilà, ça part très en couille. Je pense que j'ai oublié aucun élément, mais franchement là je suis là mais en mode qui a mis ce genre d'article quoi. Après moi je peux vous dire que c'est chaud patate parce que il y a au moins 10 000 de personnes sur YouTube. Donc YouTube va pas prendre son temps à aller regarder chaque jour sur les chaînes de d'autres youtubeurs et tout. Donc en gros ils ont trouvé la solution de franchement supprimer carrément YouTube quoi, parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi sur YouTube, je peux vous le garantir et tout. De toute façon les réseaux sociaux en gros ça a toujours été du n'importe quoi. Heureusement qu'il y a une bonne majorité de certaines personnes qui essaye de faire quelque chose d'essentiel avec ces réseaux sociaux, parce que c'est pas tout le monde, franchement ça n'arrive pas à tout le monde. Voilà quoi, vous voyez quoi, le genre quoi. Donc pour ma part je trouve que c'est vraiment dommage si YouTube arrive jusque là à supprimer tout YouTube carrément. Je me demande qu'est-ce que va devenir le monde avec tout ça. Donc je suis là, c'est comme mon téléphone là, Sony Xperia. En gros c'est comme si la vidéo elle est sponsorisée quoi. Donc en gros faudra pas montrer la marque et tout. Donc voilà, on se dit mais voilà. Donc ces gens, c'est comme pour les gens qui font des unboxings et tout, de leur site internet et tout. Ils arrivent en mode
Voilà, je vous présente par exemple cette marque. Excusez-moi, vous voyez pas, mais bon. Voilà, je suis là, mais what the fuck, il se passe quoi en gros? Je suis en train de sourire, rigoler pour vous là, mais ça me met pas en bon état là, cette histoire de YouTube en fait. Franchement, voilà, mais c'est quoi le délire? Tu vas venir avec je sais pas moi, tes Reebok, tes Air Max, c'est comme si je vous dis que voilà, je vous présente mes Air Max, je pourrais pas vous présenter. C'est quoi ce délire quoi? Je pense que ça peut carrément faire chier à tous les youtubeurs comme moi, youtubeuses comme moi là. Je viens de débuter, excusez-moi. Voilà quoi. Il y a des gens après, franchement la vidéo sera plus monétisée et tout. Il y a certaines vidéos, elles seront monétisées parce qu'ils doivent vérifier, tu dois envoyer à YouTube et tout, que voilà, il n'y a pas de droit d'auteur et tout, ils doivent vérifier ta vidéo pour être monétisée et tout. Donc après, bon, je pense que bon, voilà, hein. Si par exemple moi j'étais une youtubeuse qui est vraiment populaire et que voilà, je monétisais mes vidéos et que ça me permettait franchement de payer le loyer parce qu'évidemment, excusez-moi, on ne peut pas se faire chier à faire des vidéos et tout. Et puis, pour le plaisir, on pouvait le faire. Mais voilà quoi, faut se dire que vous avez plein de choses à payer et tout. Et en gros, YouTube, ils vous viennent en aide quoi. Donc grâce à ça, vous gagnez de l'argent et tout. Donc c'est cool moi je trouve, et en même temps vous faites de la publicité pour certaines marques, mais là on se trouve dans un mode où on ne pourra plus de faire de la publicité pour certaines marques. Donc moi je tenais à en parler parce que la plupart, une bonne majorité des youtubeurs est en train d'en parler et tout, donc je dois en parler aussi. Moi ça me dérange énormément parce que voilà, j'aime jouer et ne pas le partager, ça va vraiment, excusez-moi, mais me faire chier de voir que voilà. Je suis une bonne joueuse, je joue bien, quasiment peut-être pas à tous les jeux, mais pour une fille, je trouve que c'est du lourd. Parce que c'est, on va dire, c'est très rare d'avoir une fille qui joue aux jeux vidéo. C'est plus les mecs que vous voyez et tout. Donc je pense que voir une fille jouer, c'est encore plus passionnant, je pense. Parce que c'est des choses que tu vois rarement qu'une fille est passionnée par quelque chose et qu'elle s'en fout loyalement de ce que les gens peuvent en penser. Pour ma part... Je pense que j'ai tout dit. Donc en gros, je récapitule. Donc en gros, YouTube, ils suppriment, ils vont supprimer nos chaînes YouTube, les chaînes YouTube de tout le monde. Par rapport parce qu'il y a des droits d'auteur et tout, il y a des gens qui font n'importe quoi sur YouTube et tout. Donc pour ne pas se faire chier avec des 100 millions d'abonnés et tout, et de YouTubeurs sur... YouTube quoi, et que voilà, tu pourras plus parler d'une marque et tout, pour les femmes là qui vous montrent par exemple les vêtements, qui font des unboxings, ou sinon qui vous montrent les maquillages, les noms des maquillages, elles pourront plus énoncer les noms des marques. Mais moi je trouve que c'est con, assez con, parce que l'État va pas gagner de l'argent dans tout ça. Donc c'est une récapitulatif que je suis en train de vous dire quoi. Donc moi je suis pas d'accord pour ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Et si toi tu es une youtubeuse ou un youtubeur, n'hésite pas à en parler sur ta chaîne YouTube, à partager ma vidéo pour qu'un maximum de personnes voient cette vidéo et que franchement on essaie de bouger pour que YouTube ne ferme pas YouTube. Parce que voilà, on est dans un espace libre où on peut faire ce qu'on veut sur YouTube. Mais là, ça sera plus possible. Que va devenir le monde sans YouTube? C'est la question qu'on va se poser et tout. Pour ma part, pour certains youtubeurs, je pense qu'ils ne vont pas se faire chier, même s'ils touchent plus de l'argent de YouTube, ils ont leur diplôme et tout, donc ils peuvent aller travailler. Donc c'est pour ça, en gros, c'est pas parce que YouTube te permet d'avoir de l'argent que de l'autre côté tu dois rien foutre, tu vois. Parce qu'il y a trop des gens qui croient que voilà, comme tu es youtubeur, tu fous rien de ta vie, c'est faux. Moi en tout cas, si j'arrive à avoir de l'argent de YouTube, YouTube me permet d'avoir de l'argent après avoir eu 10 000 ou 100 000 abonnés par exemple, excusez-moi, mais de côté je vais faire mon argent quoi, je vais travailler quoi, je vais pas rester là, voilà, non, voilà quoi. Mais je serais contente quand même de faire de l'argent de YouTube, parce que voilà, tu sais que voilà, tout ce que tu le fais bien, tu donnes du bon contenu et tout, et que tu as des abonnés grâce à ça, etc, et qui fait que tu as de l'argent dans tes poches. Donc après voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, dans l'espace de commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de ça et tout. Et puis si j'oublie un détail, n'hésitez pas à me faire part en commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum, parce que un tas de personnes doivent en savoir et tout, pour
dire que voilà, non, on n'est pas d'accord, voilà, on doit trouver une bonne raison pour que YouTube ne ferme pas YouTube. Donc voilà, et sur ceci, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Wendance. Allez, salut tout le monde!